Bonjour à tous, aujourd'hui ce sera une vidéo sans la Tesla pour changer, mais bien entendu on va quand même parler Tesla et en particulier les interactions qu'on peut avoir entre son véhicule et un système domotique. J'utilise en effet depuis quelques semaines un plugin très intéressant prévu pour fonctionner avec JDOM. JDOM c'est un logiciel open source compatible avec la plupart des protocoles existants. L'avantage c'est qu'il peut fonctionner également sur une installation locale, on n'est pas obligé de l'héberger en mode cloud et donc de payer un abonnement. D'un point de vue sécurité et confidentialité des données, c'est aussi la solution que j'ai choisie pour ne pas éventuellement donner mes clés virtuelles de voiture à un inconnu. Donc je suis le seul à avoir accès aux données qu'il collecte. Donc sur JDOM, il y a eu beaucoup de développeurs qui ont fait des plugins, ça tombe bien puisque ici nous avons un plugin Tesla disponible au travers du market au tarif de 10 euros mais une fois que vous aurez payé ces 10 euros c'est fini, il n'y a plus d'abonnement contrairement à Tesla Fi en plus lorsqu'on voit le travail de titan qui a été fait pour nous donner ce plugin c'est donné 10 euros et en plus le développeur est français donc sur la page pour acheter le plugin, il y a quelques petites captures d'écran. Donc on peut voir que bah, on a des petites interfaces qui sont compatibles avec une visiation sur un téléphone. Et on retrouve toutes les commandes disponibles via les API mis à disposition via Tesla. Et ensuite ça collecte les suivis de dépenses énergétiques, de recharge et de déplacements. Je vais vous faire voir cela un petit peu plus dans le détail sur mon installation. Sur la page du plugin, on peut aussi voir les nombreux avis. Et euh, donc ils sont tous positifs. Et euh, également les liens vers un forum et quelques vidéos d'utilisation. D'expérience, je peux vous dire que le développeur est très réactif et répond à nos questions. Sur par exemple le forum automobile propre. On peut aussi voir que le plugin est compatible avec les euh, périphériques des Y. Euh, c'est les euh, do it yourself c'est des, des petits modules euh, qu'on peut piloter nous-mêmes. Ensuite, on peut aussi l'installer sur une box de type RPI, euh, ensuite c'est aussi compatible avec les environnements docker, donc moi c'est ce que j'ai fait j'ai installé euh, mon JDOM euh, dans un conteneur euh, docker, donc là c'est peut-être un petit peu technique, ça ne vous parle pas mais docker ça permet de lancer des applications dans des conteneurs logiciels. Donc si chez vous vous avez déjà euh, un NAS type Synology ou euh, un petit euh, serveur Linux ou autre, vous pourrez tout à fait faire euh, tourner JDOM à l'intérieur d'un environnement docker. On va aller faire un petit tour sur le site officiel du plugin. Donc il est plutôt bien fait. Euh, donc euh, on a aussi l'image d'un raspberry. Donc euh, oui voilà, vous pourrez l'installer sur un petit raspberry. Ça peut être une bonne solution parce que c'est vraiment un équipement qui coûte peu cher si vous n'avez pas de petit PC qui reste branché constamment chez vous ou un NAS. Euh, je pense que c'est la meilleure alternative, ça coûte 30 euros un Raspberry et euh, ça consomme quasiment pas d'électricité. Donc on va aller sur l'onglet euh, afficher mes trajets pour un petit peu ce qu'il propose. Donc il y a une partie cartographique qui fait du tracking euh, de vos déplacements. Comme ça vous pourrez voir un petit peu euh, plus en détail ce qui, euh, à quel moment vous avez vraiment consommé de la batterie ou euh, tout simplement pour euh, bah, euh, historiser vos déplacements. Donc on voit aussi que les, les petits symboles qui définissent bah, des, des points favoris ou lorsque la voiture est en déplacement, ce genre de choses. Donc c'est plutôt bien fait. On peut ajouter voilà, des, des favoris sur, sur la carte. Et euh, ensuite on pourra les utiliser euh, au travers euh, bah, d'actions qu'on peut déclencher en fonction de l'approche ou l'éloignement d'un point qu'on a mis en favori. Euh, ensuite, on a aussi des graphes qui nous permettent de suivre euh, l'autonomie de la voiture. Donc, comme ça, on peut voir l'efficience d'une recharge et euh, aussi euh, les décharges liées à un, un trajet. Et on a aussi euh, des euh, moyennes sur les gains et pertes qu'on a fait si on a été euh, cool avec la voiture ou si au contraire on n'a pas été très économe avec la batterie. Donc, ça c'est très bien expliqué, le site est très bien fait. Je vous encourage d'aller y jeter un œil si vous pensez utiliser euh, ce plugin. Donc, enfin, euh, on peut aussi contrôler la, la Tesla. Euh, donc, euh, on peut à distance depuis euh, l'interface euh, euh, changer, euh, bah, mettre en route la climatisation, les chefs chauffants, etc. Donc, ensuite il y a plusieurs rubriques, hein, on nous vous indique comment l'installer, comment le configurer, etc. Puis on voit qu'il y a pas mal de témoignages hein, de personnes qui l'utilisent et euh, qui ont beaucoup de retours positifs. Donc maintenant on va aller euh, sur mon installation. Donc euh, j'entre euh, l'adresse locale de mon installation JDOM. Donc c'est euh, protégé par un nom d'utilisateur et un mot de passe. Euh, vous pouvez créer autant d'utilisateurs que vous souhaitez. On voit bien que c'est un système fait pour la, pour la domotique. Et vous verrez qu'en fin de vidéo, ça a aussi ses avantages, contrairement à Tesla Fi qui est lui cantonné vraiment à la Tesla. Donc euh, bah, première interface, euh, donc on a euh, la carte euh, et la courbe. Donc en ce moment, bon c'est le confinement, là c'était un jour où la voiture n'a pas euh, bougé. Malgré tout, on voit qu'elle a été déchargée un petit peu sur la journée. Euh, on voit qu'il euh, bah, y a eu une perte de 221 Wh euh, et euh, on a la courbe euh, qui descend, mais bon sur une petite échelle, hein, on passe de 36,6 à à 35 et quelques poussières. Voilà. Donc là, j'ai zappé sur un autre jour où justement j'ai eu des déplacements et puis on peut voir que lorsque je clique sur le déplacement, ça rejoue vraiment le déplacement avec sur la carte le point, ma position qui avance et en bas à droite de la carte, vous avez aussi les l'heure et les kilomètres, ma vitesse qui s'affiche. Voilà. Et puis euh, en même temps sur la courbe, on voit aussi le point qui se déplace euh, sur la courbe en fonction de l'avancée euh, dans le temps et, euh, et la, la perte euh, de puissance énergétique de la, de la batterie. Voilà. Donc euh, c'est plutôt bien bien fait, euh, euh, rien à redire sur le plugin. Euh, franchement, j'aime bien l'interface. Euh, on peut aussi. Euh, bah, euh, euh, masquer certains éléments pour n'afficher que la carte, que, que la courbe, hein, pour avoir une vue euh, plus grande euh, sur le plugin. Et puis euh, en position centrale, euh, vous avez aussi les, bah, la date. Tout simplement, vous pouvez passer d'un jour à l'autre euh, en vous déplaçant euh, voilà, sur le, avec le petit curseur euh, au niveau euh, du calendrier. Voilà. Et lorsqu'on clique au milieu, on a également un calendrier. Donc euh, chouette euh, chouette plugin, donc là y a, on voit j'ai du rouge, hein. j'ai dû euh, je pense euh, appuyer un petit peu plus que d'habitude sur la sur la pédale. Euh, et euh, toujours donc cette petite courbe hein, qui est euh, vraiment sympathique. Hein. Elle est expliquée sur le site, hein, je vais pas vous. Mais en gros on a toutes les informations qu'on souhaite. Ensuite au niveau du plugin, eh ben, on a aussi une interface qui liste les commandes qu'on veut afficher finalement pour interagir avec la voiture donc on a euh, bah, les sièges chauffants euh, les limites de charge euh, enfin tout ce que euh, tout ce que l'API euh, finalement euh, permet euh, petite info au début j'avais un tout petit affichage qui était rikiki on peut juste cliquer donc sur le stylo et euh, et puis bah, agrandir descendre la fenêtre ou ce genre de choses hein. donc ça il n'y a pas de il a pas de souci là dessus Ensuite euh, au niveau du plugin, euh, bah, euh, la partie configuration. Donc il euh, n'y a pas, pas grand chose à faire mais ça permet aussi de lister les, les commandes disponibles. Euh, donc vous avez toute la liste des commandes euh, euh, sur lesquelles on peut euh, interroger la voiture. Et euh, vous avez le petit bouton tester pour tester chaque commande et ça vous renvoie euh, directement euh, euh, les informations. Euh, que la voiture a sur euh, cette interrogation. Donc il y a des commandes d'action et aussi des commandes simplement de collecte euh, de données. Donc euh, vous voyez si je clique sur euh, tester, euh, je vois que la commande me retourne euh, ma version de firmware de, de la voiture. Voilà. Euh, ensuite il y a d'autres commandes euh, qui renvoient simplement euh, bah, 1 ou 0. Euh, euh, en fonction bah, si c'est par exemple ouvert ou fermé, ou euh, ce genre de choses. Donc euh, vous avez aussi à chaque fois la petite case euh, historisée, donc vous avez la possibilité d'historiser euh, par exemple euh, la température de la voiture, ou euh, euh, le nombre de kilomètres parcourus, ce genre de choses, et ensuite JDOM les compile au sein d'un graphique. Donc euh, pas mal de commandes, hein, euh, bah, tout ce que l'API euh, finalement euh, Tesla permet de faire. Hein. Donc tout ça c'est vachement intéressant parce que ces commandes-là ensuite vous pourrez les utiliser dans des scénarios pour interagir par exemple avec d'autres éléments de votre voiture. Bon le cas classique c'est peut-être la charge mais euh, vous verrez il y a d'autres choses possibles. Donc là vous voyez j'ai historisé par exemple euh, bah, mes kilomètres parcourus dans le temps comme ça euh, enfin ça, ça, ça coûte rien et euh, vous pouvez euh, récupérer pas mal d'informations de, euh, de la voiture et les garder euh, en, en mémoire euh, au sein de votre JDOM donc JDOM euh, par contre c'est pas un système euh, cloud je vous ai dit c'est une installation locale mais le système permet de faire euh, des sauvegardes régulières hein, je vous conseille d'avoir euh, deux stockages euh, différents pour pouvoir euh, bah, simplement exporter vos sauvegardes euh, vers, euh, vers euh, un, un, une autre destination de pas garder la sauvegarde sur le même pc euh, où euh, JDOM tourne sinon bah, vous risquez euh, en cas de pépin bah, perdre euh, l'installation et la sauvegarde ça serait euh, ça serait ballot donc euh, jdom permet de faire aussi donc des, des scénarios donc là par exemple euh, j'ai testé un petit scénario euh, que j'ai programmé tous les jours euh, à 23h. Et euh, donc on peut faire des scénarios en fonction de, de une programmation horaire ou, ou, ou à déclenchement d'une action. Donc là c'était juste pour tester rapidement. Je regarde si le câble est connecté. Et si le câble est connecté donc euh, tous les jours à 23h, je vais démarrer une charge. Là c'était vraiment un petit scénario pour, euh, pour tester. Et euh, donc euh, bah, ça se fait assez simplement, on choisit euh, le nom de l'objet, l'équipement. Donc, moi, ma voiture euh, s'appelle Choupette, et ensuite on, on choisit une commande. Et puis ensuite, donc vous pouvez euh, vraiment euh, déclencher, faire des euh, si ceci, alors cela, et mettre des conditions imbriquées les unes dans les autres. C'est assez simple, ça se fait facilement. Par contre, il faut bien penser euh, à tous les cas de figure possibles. Donc là, je viens de rentrer dans un autre euh, plugin, un plugin météo. Et ce plugin-là, il est vachement intéressant parce qu'on y met euh, notre localisation et ça nous retourne, par exemple, bah, euh, euh, à quelle heure le soleil se couche, à quelle heure le soleil se lève, euh, la température, etc. Donc vous pouvez imaginer des scénarios qui se feraient de, en fonction de, bah, euh, du temps, finalement, euh, extérieur. Euh, donc moi je pensais simplement euh, par exemple lorsque je rentre chez moi donc lorsque je suis en approche de ma maison euh, déclencher une, euh, une condition euh, si le soleil est couché alors j'allume la lumière. Voilà. Donc là on voit aussi bon je suis dans le dans le dans le menu euh, des euh, Sauvegarde et restauration, donc euh, je venais d'évoquer juste avant. Et puis bah, euh, là justement, donc euh, je parlais de mon petit scénario euh, sur le forum automobile propre. Euh, le développeur aussitôt, bah, il, il a répondu en disant euh, que c'est une bonne idée et, et sûrement euh, ce sera ajouté dans une prochaine version. Donc euh, on voit euh, qu'il est vachement actif. Hein, le sujet a une petite année et il y a une quarantaine de pages. Donc mon idée c'est de mettre en place euh, quelque chose d'assez simple, c'est euh, je suis en approche de mon domicile, je réduis euh, ma vitesse forcément, et euh, donc s'il si fait nuit, euh, j'allume les lumières automatiques euh, de mon extérieur. Et j'ouvre le portail. Voilà. Pas de panique, même si votre maison n'est pas équipée comme il faut pour faire ça. Il y a des petits modules qui coûtent vraiment pas grand-chose. Par exemple, chez Sonoff, il y a des petits boîtiers qui coûtent une dizaine d'euros qui vous permettent donc de faire simplement du on/off sur une arrivée électrique. Donc on voit qu'avec simplement ça, on peut contrôler par exemple ces lumières. L'avantage qu'il a ce petit module c'est qu'on peut l'interconnecter euh, sans être obligé de passer par le cloud. Donc euh, il est aussi et donc c'est simple d'accès. Euh, là vous voyez sur planète euh, domotique, il euh, y a un tutoriel où ils expliquent exactement comment le configurer et le mettre en place. Ça coûte euh, peanuts. Faites attention hein, si vous en commandez, euh, tous les modèles ne sont pas compatibles avec le mode DIY. Donc, euh, le mini est compatible des Y. Les autres, il faut passer par, un, par le cloud euh, en plus chinois. Donc, euh, ça serait dommage d'installer euh, du JDOM pour derrière euh, finalement euh, interconnecter son réseau euh, avec euh, un cloud euh, en Chine. Donc, euh, oui, ces petits modèles-là, donc c'est le Sonoff Mini. Euh, on les trouve environ à. Euh, à 10 euros ou pas plus hein. et avec ça vous pouvez commander euh, bah, tout ce que vous voulez euh, enfin tout équipement que vous pouvez euh, éteindre et allumer finalement donc euh, de mon côté j'ai essayé j'ai enfin c'est pas que j'ai essayé j'ai fait euh, j'ai interconnecté euh, un petit module comme celui-ci avec mon euh, portail électrique le souci du portail c'est que bah mon portail il est pas du tout euh, fait pour être euh, interrogé euh, via de la, de la domotique euh, donc j'ai euh, utilisé ce petit module là et j'ai mis un que j'ai interconnecté avec un relais derrière et euh, en fait c'est en branchant mon euh, euh, j'ai un accessoire sur mon portail une clé extérieure donc euh, avec une euh, avec une clé je peux ouvrir et fermer mon portail en cas bah, de souci de pile, par exemple, euh, de ma télécommande. Euh, et euh, ce que j'ai remarqué, c'est en interconnectant ce petit boîtier, euh, c'est que finalement, ça ne fait qu'un contact au niveau de la carte euh, du portail. Et quasiment tous les portails ont cette fonctionnalité-là. On peut leur euh, ajouter euh, ce type de petit boîtier permettant une ouverture de l'extérieur sans posséder euh, la télécommande. Donc là je fais une petite recherche rapide sur internet de ce type de, de petit boîtier. Et euh, bah, je vois que la plupart des marques en propose, là on voit Nice, Cam, Somfy Je pense que votre portail est prévu pour accueillir ce petit boîtier additionnel. Et à partir de là, vous pourrez déclencher une action, enfin simuler ce type de boîtier. Donc euh, dans la carte électronique, si vous recherchez euh, au niveau euh, de votre manuel, hein, vous tapez le numéro euh, de votre modèle de portail et vous trouverez où brancher ce type euh, d'équipement. Sauf que là, vous ne brancherez pas cet équipement, vous brancherez un petit appareil Sonoff euh, euh, avec un relais. Donc, un relais parce que le, le Sonoff lui il, il vous enverra directement euh, du 220. Hein, euh, donc, euh, là on veut juste faire un contact. Donc, le Sonoff vous le penchez sur le niveau du relais qui lui euh, s'occupera de faire juste un contact. Euh, euh, sur deux autres bornes du relais donc un relais ça coûte rien non plus hein, c'est à euh, euh, 5 10 euros donc en gros pour 15 euros vous pouvez automatiser votre portail et pourquoi pas ensuite le coupler avec votre tesla pour déclencher des événements lorsque vous êtes en approche de votre point favori voilà donc euh, ça avec tesla fi jamais vous pourrez faire ce type euh, de scénario alors qu'avec euh, TeslaFi vous pourrez jamais imaginer ce genre de choses donc là on voit le petit relais que j'ai acheté euh, il coûte euh, 5 euros euh, le tout donc c'est de mettre une tension en entrée du relais et ensuite utiliser euh, simplement euh, en sortie euh, le contacteur que, que vous branchez sur votre carte euh, électronique de votre portail à l'endroit prévu pour mettre une clé ou en doublure Aujourd'hui, le plugin JDOM euh, ne permet pas encore euh, de capter la vitesse de la voiture enfin d'interagir avec mais euh, a priori ça devrait venir. Donc ensuite, euh, ce que le tout c'est d'ouvrir son portail quand on est à faible vitesse parce qu'il m'arrive des fois de passer devant ma maison simplement euh, sans m'y arrêter. Donc il faudrait pas non plus que ça ouvre le portail à chaque fois que je passe devant. Mais dans tous les cas, pour moi ce plugin est vraiment une très bonne alternative euh, à Teslafi. Euh, moi je sais pas. Enfin, je ne sais pas si vous y verrez un intérêt pour vous, mais euh, bon, ça demande un petit peu de connaissance, un petit peu de travail, de réfléchir un petit peu. Mais euh, c'est vraiment top. En plus, le développeur est super sympa, il est réactif, il est français. Donc on ne peut que l'encourager en essayant ce pl son plugin et euh, en même temps il vous engage à pas grand chose. Quoi. Il, il, le, il le vend 10 euros au travers euh, du market JDOM et ensuite il n'y a pas d'abonnement. Donc euh, c'est vraiment vraiment une bonne affaire. Moi je vous le conseille. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou autres, euh, bah, euh, je veux bien y répondre euh, dans les commentaires. Ensuite, euh, voilà, je vous invite aussi euh, simplement à, à aller visiter bah, le site euh, qui correspond au plugin parce que la plupart des questions que vous posez seront euh, expliquées sur ce site. Je vous le mets en, en description. Et ensuite au niveau de l'interaction avec le reste de votre maison, là c'est il n'y a plus que votre imagination, vous pouvez euh, euh, faire autant de scénarios que vous voulez, euh, ensuite libre, euh, libre à vous euh, de mettre vos conditions, de, de faire vos propres interactions avec le reste de la, de la maison. Petit avertissement quand même, ça peut être consommateur de temps. Et on peut vite se prendre au jeu et finalement câbler euh, toute sa maison. Euh, en domotique on commence par une lumière un portail ensuite les volets électriques enfin on, on peut ne plus s'arrêter ce qui est cool c'est que c'est vraiment devenu accessible pas cher euh, et que c'est faisable sans acheter des, enfin, des des trucs de grosses marques qui en plus on peut être un niveau dialoguer facilement avec un équipement d'une autre marque donc je parle d'expérience hein, pour avoir euh, des chauffages euh, pilotés avec euh, du Delta d'Or. Enfin je vais m'arrêter là hein. cette vidéo là elle pourrait durer euh, des heures donc euh, merci de l'avoir regardé et euh, si vous lancez dans l'aventure euh, bon courage <laughs> allez ciao bye bye